le premier groupe 1 de l'année en France, le traditionnel prix Canet. Il s'élance pour 2100 mètres et cette fois c'est Mario Stralis, le numéro 3, qui est venu s'installer en tête et devant Mogul, le favori. Alors qu'il y a en troisième position le 4 Manicourt, qui est de retour de Dubaï, accompagné à son extérieur par le 2 Gold Trip, pendant que le 7 Écrivain se retrouve à l'arrière-garde. Il vient avec le 6 Wonderful Moon, le cheval allemand, alors que Monty, contrairement à la dernière fois, se retrouve en dernière position, lui qui est monté ici par Gérald Mossé. C'est donc Mario Stralis avec Pierre-Charles Boudot qui montre le chemin, Mogul qui vient dans son dos, Christophe Soumillon en 3e position, le 4 Manicourt et Michael Barzalona en 4e position. Il y a le 2 Gold Trip, Kazakh Vert, accompagné ensuite par le numéro 7 Écrivain, devant le 6 Wonderful Moon qui est en avant-dernière position, avec Monty qui est toujours en dernière position, le peloton qui est très étiré, l'allure qui est régulière sous l'impulsion toujours du numéro 3 Marie Australis qui est en tête dans la descente de la grande piste. Mogul est dans son dos, profitant de son sillage, avec en 3e position le 4 Manicourt, accompagné en 4e place par le 2 Gold Trip et en 5e position par le 7 Écrivain, alors que le 6 Wonderful Moon est en avant-dernière position. C'est Monty qui est toujours en dernière position. Mario Stralis à l'avantage. Mogul est dans son dos en 3e place. Toujours Manicourt en 4e position. Le 2 Gold Trip en 5e position. Écrivain avec le 6 Wonderful Moon. Et en dernière place, le numéro 1 Monty. Les concurrents qui sont dans la fausse ligne droite. Mario Stralis qui a les commandes dans son dos. Mogul en 3e position. En bleu, le 4 Manicourt en 4e position. Le 2 Gold Trip en 5e position. Écrivain accompagné par le 6 Wonderful Moon. Et Monty est en dernière position. Entrée de ligne droite. Mogul qui a été décalé du sillage de Mario Stralis, avec en 3e position Manicourt, alors que Gold Trip est maintenant lancé à l'extérieur. Mario Stralis se relance maintenant devant Mogul qui est 2e et en 3e position. En dehors, le 2 Gold Trip, Manicourt également qui tente maintenant de réagir, et Mario Stralis se relance encore devant Mogul. Gold Trip maintenant a trouvé sa galance à l'extérieur et termine de plus en plus vite. Mario Stralis repart avec Gold Trip qui vient à son extérieur. Mario Stralis devant Gold Trip. Mario Stralis qui de bout en bout va triompher dans le prix Ganet. La 2e place pour Gold Trip, la 3e place pour Mogul. Yeah!